Alors vous qui nous rejoignez sur la carrière éthologie bien-être et santé, donc vous allez avoir l'intervention de Richard Corp, donc vétérinaire qui va donc intervenir pour l'association vétérinaire équine française, qui va vous parler dans un premier temps de la façon d'observer un peu les allures du cheval et notamment quelques conseils en préliminaire à la visite d'achat. C'est-à-dire que vous avez comme objectif d'acheter un cheval. Vous souhaitez aller en voir chez différents éleveurs, chez différents vendeurs. Et avant d'arriver à la visite d'achat fatidique qui va valider votre achat, bien, il y a peut-être quelque chose à savoir, quelque chose à regarder. Mais on va laisser donc notre vétérinaire vous donner ses conseils. Ensuite, on verra le cheval sur un petit obstacle et on envisagera les conditions d'utilisation du cheval en compétition avec notamment le problème du dopage. Bien, bonjour à toutes et tous. Vous avez ici un magnifique cheval français. Vous pouvez le voir évaluer dans son allure au trot, bien délié. Monte le son du microcasque. Donc, les premières choses à regarder sur un cheval que vous désirez acheter, c'est tout d'abord sa conformation générale. Dans cette conformation, on va s'intéresser d'abord aux aplombs, bien sûr. Donc, voir s'il n'y a pas de déformation majeure des aplombs antérieurs ou postérieurs. Ensuite, vous regarderez la musculature. La musculature, c'est... C'est bon ? La musculature va vous indiquer si effectivement il y a une gêne automotrice antérieure au jour où vous voyez.